Pédalage à vitesse rapide, c'est-à-dire à 90 tours par minute, assisté par un moteur pour cette patiente qui présentait une sclérose en plaques avec une spasticité prédominant sur les muscles extenseurs. Nous allons voir que contrairement à la légende, le pédalage à vitesse rapide chez un sujet spastique peut faire beaucoup de bien et entraîner des progrès en rééducation. Ce programme et cet appareil étaient initialement prévus pour des patients présentant une maladie de Parkinson. Alors la question est, est-ce que ce qui est bon pour la rigidité des patients parkinsoniens est également valable pour des sujets qui présentent une spasticité? Ben, la réponse, c'est que c'est quand même beaucoup moins spectaculaire lorsqu'on a une spasticité, mais que ça donne quand même des résultats qu'on pourrait qualifier d'encourageants. Ça fait combien de temps que vous en faites de cet appareil? Maintenant, ça fait un mois. Un peu plus qu'un mois. Oui, un peu plus qu'un mois. Donc, est-ce que ça vous apporte quelque chose? Oui. Physiologiquement, ça m'apporte le fait de bouger le corps, de mobiliser, ça me permet petit à petit de détendre un peu mes muscles pelviens, un petit peu. Et puis de vraiment lâcher les contractions et laisser le mouvement se réaliser. Et psychologiquement, ça me permet d'être dans le mouvement sans contrainte. Ouais. Vous n'êtes pas mis en situation d'échec. Tout à fait. Et après, le bienfait dure un certain temps, une heure, 2 heures, un jour, plus ou moins. Je ne sais pas si ça apporte un bienfait dans le sens avec un mieux-être physique réel, mais c'est global, je dirais, le bien-être global. Et petit à petit, je sens quand même un mieux-être. Au fur et à mesure que vous le faites, vous en faites à quel rythme en général? À quel rythme? J'en fais entre 2 ou 3 fois par semaine. Ouais, quand le kiné est là. Voilà. 2 ou 3 fois par semaine, et c'est un rythme qui vous va bien. Tout à fait. C'est comme si vous faisiez du sport 2 ou 3 fois par semaine. Exactement. Voilà la phase rapide qui dure 23 minutes. Ouais. Il y a aussi, ces derniers temps, je faisais aussi en sens inverse. Ah, quelquefois, vous le mettiez en marche arrière. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça ne travaille pas du tout sur les mêmes chaînes musculaires. Ah ouais. Vous en faites la moitié dans un sens et la moitié dans l'autre, c'est ça? Ouais. Au bout d'une quinzaine de minutes, peut-être une douzaine de minutes, vous faites dans l'autre sens. Tout à fait. Ben c'est ce qu'on fera alors. Lors de ce programme, le patient ne doit pas chercher à pédaler plus vite que la machine, ni freiner le mouvement. Il doit se laisser entraîner par le moteur à 90 tours minute et suivre le mouvement. Donc vous êtes renseigné pour en acheter un pour chez vous, c'est ça si j'ai bien compris? Oui. Mais alors qu'est-ce qui ne va pas? C'est les tarifs, quoi. Très très onéreux. Donc pour l'instant c'est pas votre portée. Tout à fait. Voilà. À moins d'avoir une aide, à moins qu'il y ait quelqu'un qui vous le. Oui. Voilà. Donc il faudrait qu'il y en ait un peu moins cher pour avoir à domicile. Exactement. Pas forcément avec les bras, parce que vous, les bras, ça vous. Non, c'est pas obligatoire les bras, non, tout à fait. Ouais. Vous l'utilisez pas les bras pour l'instant. Je ne l'ai pas fait avec lui, non, mais je l'ai fait une fois et ça m'a fait du bien aussi. Ça fait du bien aussi pour vous. Donc, il faudrait un prix un peu plus light. Exactement. Et là, à cette vitesse-là, vous avez des difficultés à parler tout en faisant l'exercice, c'est ça? Tout à fait, oui. Parce que, ça mobilise les muscles du bas, mais ça tend en fait. Quoi, ça. Ça vous réclame de l'énergie, quoi. Ouais. Et de la concentration. Oui.
ça prouve que je suis pas décontractée vraiment au niveau du ventre, quoi. Parce que ça, par rapport au plexus, ça me réduit aussi, quoi. Oui, ça mobilise tout le corps, quoi. Ouais. Mais c'est justement c'est ce qui est bon. Donc vous dites que vous bougez de temps en temps. Oui, je change de position. Vous mettez un peu plus soit en flexion. Soit plus en extension. Voilà. Pour mobiliser des muscles un peu différents. Exactement. Tous les combien vous faites ça? Toutes les deux minutes? Non, quand même pas, je fais un peu plus, toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes? Pour vraiment rester dans la même position et obtenir une décontraction dans cette position. Parce qu'au bout d'un certain temps, ça décontracte. Tout à fait. Tourne la tête d'un côté, elle tourne la tête de l'autre en même temps, pour pas rester statique. Et oui, je la comprends. Moi aussi. Donc au début, on n'en faisait qu'un quart d'heure. Tout à fait. Parce que y avait ça a amené une fatigue. En fait. Une fatigue. Et maintenant, le corps s'est un peu habitué. Tout à fait. Et on arrive à faire la demi-heure sans trop de fatigue. Sans fatigue maintenant. Wow. Si, on reste un petit peu, mais. Et après, si jamais vous devez marcher, vous marchez mieux que si vous ne l'aviez pas fait. Oui. Oui. Donc, vous marchez avec des cannes anglaises, c'est ça? Tout à fait, oui. J'ai beaucoup plus de contact avec des muscles que je n'utilisais pas. Ouais, tout à fait, ouais. Donc il y a moins de spasticité. Ouais. Ça épuise la spasticité à la fin. Donc ça la relâche en tout cas. Oui. C'est plutôt le terme. Ça la relâche et puis en plus ça permet au sang de circuler, ça stimule les intestins, ça. Ah, c'est vraiment. Ouais. Ouais. C'est mieux. Ouais. Pour ça qu'il faudrait faire tous les jours. Ouais. Donc, chez vous, il y a une piscine, c'est ça? Oui. Et alors Même si l'eau est à 25, en restant dedans, je me rafraîchis et pareil, ça me. Ça fait du bien. Ouais. Il faut à peu près combien de temps pour que l'effet soit. Dure quelques heures quand même? C'est une demi-heure. Environ une demi-heure. Ouais. Une demi-heure, moi souvent je reste une heure, mais même au bout d'une demi-heure, je. Une demi-heure ça commence, ouais. Et une heure c'est très bien. Voilà, ouais, ça dure dans le temps. Le plus important c'est me baigner le haut du corps aussi, et la tête. Ah oui. Parce qu'en fait, en refroidissant vraiment la tête, c'est ce qui refroidit tout le reste. Ah ouais. Donc c'est ce qui manque quand on fait que le bas du corps. Voilà, hein, c'est. Ouais. Et je me disais, pourquoi pas essayer les personnes qui font la chimio en cancer, souvent ils leur mettent des vessies de glace. Ouais, sur la tête. Enfin, c'est carrément comme un masque sur la tête. Ah ouais. En cryo. La sensation, alors, c'est quoi? C'est de sentir vivante, quoi. C'est comme si j'avais fait une activité sportive et voilà, je sens le sang qui circule. Je sens bien. Ouais, c'est bon. Je pense que je suis plus en contact avec mon corps que beaucoup de gens peuvent l'être, mais. Parce que tu as des antécédents de sportif. De bon niveau, on peut dire. Ouais, j'étais monitrice de ski, mais c'était pas que mon activité. Enfin, j'étais montagnard, je faisais la montagne, j'ai fini. Certaines forces.
automatique, c'est uniquement en vente à bras, avec les bras. Il y a l'accélération au pied aussi. À la prochaine.